Bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Pierre-Louis Marin, nous allons faire un dos de cabillaud demi-sel avec une purée de pois chiches et une sauce à l'angle. Alors on prend du cabillaud pour faire cette recette du cabillaud frais. On ne pourrait pas le faire directement avec de la morue parce que là on va saler le cabillaud. Oui, la morue serait trop salée. Là, oui. ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit entre le cabillaud, qui s'effeuille trop facilement, oui. Et la morue qui serait trop un peu sèche. D'accord. Alors donc, on va saler le cabillaud, comme ça, bien recouvert. Oui, dessus, dessous, sur les côtés. En fait, il faut bien le... Et là, on va le laisser combien de temps dans le sel, comme ça? On va le laisser 3 heures. Au réfrigérateur? Au réfrigérateur. Hein, on laissait le temps de... Le sel. Et après les 3 heures, Pierre-Louis? Après les 3 heures, il faudra les rincer pour le débarrasser du gros sel, oui. L'éponger, le sécher et le remettre au frais. Au bout de 3 heures, on retire le cabillaud, là on voit, hein, qui était au sel, on le rince sous l'eau et on le met à tremper pendant 30 minutes dans de l'eau, comme ça. Voilà. Hein, vous voyez, on le recouvre bien d'eau froide et on le laisse tremper. Au bout d'une demi-heure, là ils ont trempé pendant une demi-heure. On voit, hein, la chair est beaucoup plus ferme, hein, ça a changé la couleur. Hein. Et la texture. Hein, la texture, regardez, là c'est devenu un peu translucide. Et là, on va bien le mettre sur un papier absorbant pour le sécher. Et on va l'entreposer au réfrigérateur. Là, on prend des pois chiches qui sont déjà cuits. Mmh. On a 200 g de pois chiches. Et qu'on va mettre dans combien de crème? Dans un décilitre de crème. Bouillante ou on fait bouillir tout ensemble? On peut faire bouillir tout ensemble. On peut les mettre dedans? Oui. Donc là, on porte à ébullition, une bonne ébullition. Voilà, il faut quand même bien les réchauffer. D'accord. Parce qu'une fois chaud, ils vont se mixer plus facilement, ils seront plus tendres. Parce qu'on va faire une purée avec? Voilà, on va faire une purée de pois chiches. Voilà, on va pouvoir, Oui, c'est bon, là. On va pouvoir le mixer. On va pouvoir le mixer, là, ça suffit. Alors, on met tout dans le bol du mixeur. Voilà, on a égoutté les pois chiches dans le mixeur. Alors, ça, c'est pour 2 personnes, hein, 200 grammes. Oui. Hein. Peut-être mettre un petit peu de crème, déjà, non? Oui. La crème qui est chaude, non? On la verse dedans? Voilà. Peut-être pas tout mettre, on va voir, non? Oui. Et la moitié à peu près. Mais oui, parce qu'on fait une purée, hein, comme une purée. Une... Peut-être... Faut pas que ce soit trop liquide. Hein. Voilà, pour goûter. Merci. C'est moi qui commence. Oui. Alors, on est bien là. C'est bien parti. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute dedans? Donc, on va rajouter un filet d'huile d'olive. Un filet? Un filet. Allez. Qu'est-ce que tu appelles un filet, toi? Une petite cuillère à soupe? Comme ça. Oui. Un petit peu de beurre aussi? Un petit peu de beurre aussi, mais ça risque de faire beaucoup, là. Voilà. On va mettre une noix de beurre. Hein. Voilà. Puis on peut rectifier l'assaisonnement. Allez. Un petit peu de sel et poivre. Un petit peu de sel. Voilà. Du poivre. Voilà. Faut que ça ait un petit peu de caractère quand même. Et c'est l'huile d'olive et le poivre qui vont donner du caractère. Hein? Exactement. Un accent. L'accent de Perpignanais. Non? Oui. Non, comment on dit l'accent? Perpignanais, c'est ça? Oui. Très bien. On va reprendre des cuillères. Voilà. Merci. Merci, Joël. Parfait. C'est extra. Alors maintenant, on va faire la sauce d'accompagnement. On a mis du vin blanc. Combien de vin blanc là qui est en train de bouillir? Un décilitre. Un vin blanc sec. Un vin blanc sec. Un décilitre de vin blanc sec. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce vin blanc? Mais on va y ajouter 2 échalotes finement ciselées. Hachées. Hachées. Tout le monde comprend.
Donc on fait comme si on faisait un beurre blanc. Voilà, c'est un départ de beurre blanc. Et là, on va laisser réduire jusqu'à ce que, ça ait une consistance un petit peu sirupeuse. Oui. C'est-à-dire qu'il reste la valeur d'une demi-cuillère à soupe de liquide après une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe. Bon, il faut quand même qu'il y ait quand même du liquide, hein, parce qu'on a besoin de base aqueuse pour pouvoir incorporer la matière grasse. Très bien. Et là, oui, parce que qu'est-ce qu'on va incorporer de la matière grasse? Mais là, on a de l'encre de sèche qu'on va... De l'encre de sèche, oui. On en trouve facilement de l'encre de sèche? Alors, facilement, Pierre-Louis. On peut le commander chez son poissonnier. S'il n'en a pas le jour même, lui pourra en trouver facilement. Voilà, là on voit, il reste presque plus de liquide. Hein. Mm-hmm. Donc hein, ça dégage bien les narines. Hein. Ah oui. Donc là maintenant, on va pouvoir ajouter l'encre de sèche. Oui. Alors quelle quantité? Il y a 20 grammes, pardon. 20 grammes. 20 grammes d'encre de sèche. Ça se trouve comment? En poche? Ça se trouve en poche, en petit bocal ou en plus des conditionnements plus ou moins gros. Mais en général, c'est ça. Voilà, soit des, soit des petites poches de 10 grammes, soit des petits bocaux. D'accord. Alors, là, il faut remuer, non? Ça va... Oui. On dirait comme du corail, sauf de homard, mais il ne rougit pas, celui-là. Il reste noir. Celui-là, hein, il reste bien, bien noir. Comme de l'encre. Hein, c'est ce qui va être sympa dans, lors de la présentation. Le noir, on l'utilise très peu en cuisine, en fait. C'est vrai, oui. On peut rajouter le... Oui. Faut laisser... Non, on peut y aller. On peut y aller. C'est pas la peine de laisser réduire. Mmh. Ça l'est suffisamment. Peut-être baisser un peu le feu, non? On s'en va aller. Voilà. Parce que là, ça sèche très rapidement. Hein. Oui. Donc, 20 grammes de beurre environ, hein, une belle noix voilà, de beurre. Hein. Oui. C'est pas un beurre blanc. Hein, c'est... Non, non, non. C'est pas là. Il est plutôt noir, en fait. Ouais. C'est pas la peine de trop en mettre. Si la consistance de la sauce... Avec ça, on a une bouche noire. Ah oui, là. Là, on ouais. Pas, ouais. Bon, on n'a pas mis de sel, on n'a pas mis voilà. de poivre. On va d'abord goûter. Oui. Hop. Après vous. Ah, merci. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas besoin de sel, hein? Non, hein? Non, hein? Peut-être du poivre. Un peu de poivre, il faut que ça soit relevé, hein? Tout ce qui est à base d'angle de sèche. Et bon, c'est un goût très, très concentré, quand même. Hein? Voilà. Bien poivré. On remue un petit peu. Et voilà. Donc là, on éteint le feu. On la laisse de côté, on la réchauffera au moment. Voilà. Alors, avec ce dos de cabillaud, cette sauce à base d'encre, de sèche, on va mettre donc la purée de pois chiches qu'on a déjà préparée et on va rajouter quelques asperges. Quelques points d'asperges, voilà. Des asperges vertes. Bien vertes. Alors, l'eau est à ébullition. Eau bouillante. Salée. Tiens, on va l'enlever. Alors, on sale bien l'eau et, bien sûr, les asperges, il faut toujours les botteler. C'est pour éviter que les pointes s'entrechoquent et se cassent. Et des asperges comme ça, bon, là, c'est des asperges moyennes, grosses comme un doigt, en 4 minutes, c'est cuit environ. Ah oui, hein, même pas. Alors, 6, hein, 2 fois 3, 6 pièces. Et une fois cuites, au bout de 3-4 minutes, on les prend, on les met dans de l'eau fraîche, on les refroidit. Aussitôt froides, on les égoutte. Alors, nos dos de cabillaud sont bien secs, hein? Oui. On voit quand même, la texture n'est pas la même hein, qu'une morue fraîche. Non, hein? Mais c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, on va les cuire avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Oui. Un filet d'huile d'olive dans une poêle. D'accord. Alors là, je suppose qu'on ne met pas de sel, Pierre-Louis. Non, c'est pas nécessaire, franchement. On vous rappelle hein, qu'on avait mis au sel, on avait mis 3 heures au sel. Hein, 3 heures au sel. Trempé après, rincé, trempé dessalé pendant 30 minutes 30 dans minutes. De l'eau et égoutté au réfrigérateur. Égoutté, bien essuyé. Bien essuyé, parce que sinon ça va rejeter de l'eau et on va avoir du mal à le faire frire. D'accord. Donc, alors là, il y a un côté peau et côté un côté arête. Qu'est-ce qu'on met en premier? D'abord le côté peau, je pense. D'accord, oui. On évite de le triturer. On ne sale pas, par contre, on peut poivrer. Ah. Voilà. Et là, on a nos asperges hein, qu'on a égouttées. Oui. Hein. On a enlevé les ficelles. Elles sont bien vertes, vous voyez, comme ça. On les rajoutera dans la poêle en fin de cuisson des pavés de cabillaud. Alors là, des pavés de cabillaud comme ça, il faut combien de temps pour les cuire
Alors on veut les garder nacrés à cœur, on veut les garder tendres, moelleux, juteux, on ne veut pas trop les faire cuire. Et donc il faut compter 2 à 3 minutes de chaque côté, pas plus. D'accord. Ça finit après de cuire un petit peu. Oui. Alors là, il y avait vraiment un petit filet d'huile d'olive. C'est, on peut dire que c'est presque grillé. Oui. Comme là, je pense que le grand Freddy Girardet, ce grand cuisinier suisse, il ne faut jamais agresser le poisson. Ah. Regardez, là, il est beau. Bien doré, la on les retrouve. La peau est bien croustillante. Donc là, on va laisser cuire encore. On voit d'abord, on voit la couleur. Quand c'est blanc comme ça, ça veut dire que ça arrivait presque à moitié. On va laisser encore 2 minutes de ce côté-là. À petit feu. Voilà. Mais là, il n'y a plus du tout de matière grasse. Non, on n'en met pas un peu pour les asperges. Ça, ça suffit. On va rajouter une petite fichette, oui. Moi, je ne suis pas de la région, mais j'aime bien l'huile d'olive aussi. Mais qui n'aime pas l'huile d'olive? L'huile d'olive, je crois qu'au début, on n'aime pas trop quand on n'est pas habitué. Puis après, on découvre. C'est comme la tomate. Quand on est enfant, on n'aime pas les tomates. Ah ouais. Puis plus on en mange, non? T'as aimé ça, toi, t'as mangé les tomates tout de suite. Tout de suite, ouais. Bon, j'ai jamais été très difficile, en fait. Je pense qu'on peut mettre les asperges, maintenant. On va rouler les asperges. Là, on va réchauffer donc la sauce. Oui. On va réchauffer la purée de pois chiches et on va pouvoir dresser. Tout à fait. Donc là, on peut éteindre, ça va finir. Oui. Pendant qu'on va tout nettoyer pour dresser. On va rouler les asperges et feu éteint comme ça. Bon, la cuisson va se terminer, ça sera la meilleure cuisson possible. Et une fois cuit, on va égoutter les morceaux de poisson un petit peu sur une grille. Oui, sur une grille. Voilà, notre poisson est cuit, les asperges sont chaudes, on a réchauffé la purée de pois chiches. Tout a été réchauffé. La sauce à base d'angle de sèche est chaude. On dresse. On reste. Alors on commence par la purée de pois chiches qui a une belle consistance et qui est très jolie. Voilà. Ensuite, alors là il faut faire attention parce que ça tâche. Oui. Énormément, si on en met trop. Un petit peu de d'encre de sèche. Ensuite, on pose les pavés de cabillaud. Juste cuit comme il faut. Voilà. Au sel. Au sel, au demi-sel. Bien nacré à cœur. Et ensuite, et on dispose des jolies pointes d'asperges. Des pointes d'asperges. Et là, le plat est terminé. Et Pierre, lui, on boit du vin avec ça, non? Oui. Oui. Et avec ça, je pense qu'un collioure blanc ferait très bien l'affaire. Un collioure blanc. Un collioure blanc. Eh oui, un collioure blanc, un vin blanc bien frais. Dos de cabillaud demi-sel, purée de pois chiches, sauce à l'encre de Pierre-Louis Marin. Pour 2 personnes, 2 pavés de cabillaud, 200 g de pois chiches, 6 asperges vertes, 20 g d'encre de sèche, 40 g de beurre, 2 échalotes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 décilitre de crème liquide, 1 décilitre de vin blanc sec, du gros sel, du sel et du poivre du moulin.